Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est Mosputa, comme vous avez vu l'écran, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours moi, et si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, essayez de me donner un pouce bleu, voilà, et puis, essayez comme ça aussi de liker mes vidéos. Voilà, je fais cette petite vidéo un peu pour ceux qui m'envoient des messages, pour pouvoir savoir un peu ce qui se passe ici en Russie ou bien en Ukraine et tout ça. Voilà, donc dans un premier temps, d'abord, je voulais rappeler que la chaîne YouTube, c'est pour les bourses, voilà. Donc, ça peut mettre des bourses en ligne et tout ça. Mais néanmoins, je ne gronde pas, surtout je ne gronde pas, seulement que j'essaie un peu de rappeler les choses parce qu'il faut savoir être à sa place un peu, parce que nous sommes ici, nous sommes des étrangers. Ce que moi je vais essayer de vous dire, c'est quoi? C'est que en ce qui concerne cette crise de la Russie et de l'Ukraine, voilà, c'est une crise qui date de longtemps. Donc nous ne sommes que des novices dans cette affaire. Donc ce que moi je vais vous dire, c'est que actuellement ça va, voilà, en ce qui concerne ici, là, ici en Russie, ça va. Il y a un peu de panique, mais c'est déjà bon dans l'ensemble. Et ce que je voulais dire encore, c'est quoi? C'est que actuellement, les réseaux ne fonctionnent pas dans les normes. Voilà, ils ont diminué un peu l'intensité des réseaux. Et je sais qu'ils vont essayer de couper cela. Notre frère Mark Zuckerberg, ou bien quoi là, il veut nous priver de cela. Donc, ce qui fait que ça serait un peu très compliqué pour moi, voilà, d'être toujours en ligne, parce que même pour télécharger, pour mettre une vidéo comme ça en ligne sur YouTube, ça me prend, pour une vidéo qui prenait avant peut-être 15 minutes, maintenant ça me prend au moins 4 heures ou bien 5 heures. Donc je ne peux pas rester sur place pour pouvoir mettre une vidéo en ligne pendant au moins 5 heures, ça sera possible. Donc je vais faire le maximum pour mettre assez de vidéos en ligne. Et je voulais rappeler encore que, comme vous le voyez, actuellement, notre Facebook ne marche plus bien. Et puis, Twitter aussi a commencé. Et bientôt, ils vont passer sur Instagram. Voilà. Et ils vont passer sur Instagram. Si ça passe sur Instagram, et que, parce que c'est le groupe Meta, vous comprenez, c'est le groupe Meta. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et mais, donc, néanmoins, vous allez passer comme ça sur le réseau social russe. Qui est Telegram, voilà. Ce numéro aussi, le numéro que vous avez là est aussi Telegram en ce qui concerne mon compte WhatsApp, voilà. Donc vous pouvez aussi m'écrire sur Telegram, voilà, là-bas aussi je vais essayer de vous répondre. Ça c'est si ils coupent Instagram et ou bien WhatsApp. Mais comment est-ce que vous allez savoir s'ils ont coupé Instagram ou WhatsApp? Donc si vous m'écrivez par exemple comme ça et que ça prend au moins 3 jours, 4 jours que je ne vous réponds pas sur WhatsApp, ça veut dire que j'ai été isolé. En fait, si en même temps, c'est pour prévenir un peu ceux des étudiants qui viennent ici, étudiants russes, quand vous vivez dans un pays comme la Russie, vous devez vous attendre à cela à chaque instant. Voilà, donc les sanctions, ça ne manque jamais ici. Donc, vous serez un peu isolé, un peu du monde. Vous serez dans vous, votre monde. Voilà, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, ce que je sentais, il disait, c'est quoi? C'est que vous pouvez comme ça, si je ne vous réponds pas sur WhatsApp, vous pouvez comme ça essayer de m'écrire sur Telegram ou Viber, voilà. Je pourrais vous répondre là-bas. C'est le même numéro qui est là, que vous avez, qui se trouve sur Telegram ou bien qui se trouve sur Viber, voilà. Donc, je vous répète encore, ça c'est si on me coupe ici, voilà. Donc, c'est pas un problème. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, comme ce que j'ai dit, si tout va bien, et je vais essayer comme ça de mettre assez de vidéos en ligne, comme ça si on nous isole aussi de YouTube, vous allez avoir l'opportunité comme ça de voir ces vidéos là pour pouvoir essayer de les postuler. Et donc les gars, c'était un peu ça, je voulais juste vous donner l'aperçu, et puis je voulais aussi faire un petit bilan pour ce qui se passe ici. Mais sachez que je ne donne pas, je ne vais pas en profondeur, voilà, parce que c'est pas ma place. Et pour ceux qui m'envoient des messages en ce qui concerne la Russie ou bien l'Ukraine, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ces histoires-là pour ne pas trop créer de soucis. Voilà, donc les gars,
C'était moi du Samba Hospital. Et puis, vous savez déjà comment ça se passe. Essayez de me donner un pouce bleu. Essayez aussi de partager mes vidéos. Essayez de commenter. Voilà. Et puis, sachez que je vous remercie vraiment pour ceux qui suivent mes vidéos. Et aussi pour ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp. C'est déjà. Ça sera, si ça ne sera plus WhatsApp, peut-être que ça sera un groupe Telegram. Donc, c'est un peu ça. Et puis voilà. En plus, les gars, tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Je vais mettre une vidéo en ligne d'une bourse, la bourse de Thaïlande. Comme ça, vous allez pouvoir postuler. Et puis voilà. Ok, à plus.